Un important incendie a éclaté hier soir au centre-ville de Saint-Georges en Beauce. Le feu s'est déclaré un peu avant 18 heures dans un immeuble à logement de 3 étages qui abrite aussi un restaurant. Les équipes du service incendie de Saint-Georges se sont rendues sur place et ont dû faire appel aux pompiers de Beauceville pour maîtriser les flammes. Les bars et restaurants voisins ont été évacués et la première avenue a été fermée à la circulation. L'incendie n'aurait pas fait de blessés et les sinistrés ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Compte tenu de l'ampleur du brasier, l'ASQ a donné peu d'informations sur la nature de l'incendie. On a procédé à l'évacuation de tous les occupants de l'immeuble. On va tenter par la suite une attaque offensive à l'intérieur du bâtiment. C'est un bâtiment qui est assez ancien, il y a plusieurs rénovations, donc assez complexe d'attaquer le foyer d'incendie principal. Un effondrement un peu plus tard, on nous a adopté une position défensive.